Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le sang dans les urines, vous avez du sang dans les urines et ça vous préoccupe. Vous avez bien raison, on va voir ça tout de suite avec le professeur Yann Nozillet. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch et vous êtes membre de l'AFU. Pourquoi il faut se préoccuper quand on a du sang dans les urines? Parce que ça peut être le signe, le premier signe annonciateur et diagnostique d'un cancer de la vessie, hein, qui justifie d'être pris en charge rapidement et énergiquement. Et donc, une fois que l'hypothèse d'une infection, d'une simple infection urinaire a été écartée… Il ne faut pas non plus inquiéter les gens. Ce n'est pas parce qu'on a du sang qu'on a un cancer de la vessie. Tout à Mais fait. Ça peut. Tout donc, à on ne laisse pas traîner. On ne laisse pas traîner. On fait faire un examen d'urine de manière à savoir si oui ou non il y a une infection. Et s'il n'y a pas d'infection, et d'autant plus qu'on va être à risque, hein, et donc… fumeur, plutôt un homme, plutôt de la soixantaine, et tous ces facteurs s'accumulant, eh bien dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas laisser traîner et aller voir un urologue en pratique pour faire le diagnostic. Quand on parle de sang dans les urines, on parle de sang dans les urines une fois, comme ça, je ne sais pas, ou on parle de sang dans les urines pendant plusieurs jours, à partir de quand on doit prendre en compte ça? À partir de la première fois? Exactement, il ne faut pas laisser traîner, parce qu'encore une fois l'infection écartée, l'idée, c'est de ne pas laisser passer le diagnostic d'un cancer de vessie. Et plus on le prend tôt, meilleur est le pronostic. Donc, inutile d'attendre de se voir se répéter les épisodes de saignement. Une fois, encore une fois, que l'infection est écartée, il faut agir. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un message clair hein, qu'il faut passer à tout le monde. D'autant que plus on le prend tôt, vous le disiez, le cancer de vessie, et plus on a de chances de… s'en sortir et puis de s'en sortir avec des opérations beaucoup moins invalidantes, hein, c'est ça ? Exactement. On peut essayer de conserver au mieux la vessie et donc la qualité de vie qui va avec des patients lorsque les tumeurs sont prises à un stade précoce. Sinon, on enlève tout, hein, c'est ça ? Obligatoirement. Voilà. Et là, la vie devient plus compliquée. Donc, sang dans les urines, vous consultez immédiatement.